Salut à tous les amis, c'est Kirkman SP. Donc aujourd'hui, on se retrouve sur mon bureau, sur mon PC, pour un petit tuto. Donc le tuto consiste à comment mettre des thèmes sur votre PS3, tout simplement. Donc déjà, il nous faut une clé USB. Donc peu importe la taille, un thème, ça prend vraiment rien. Ça prend 5, 6, 7 mots, ça prend vraiment rien. Et il nous faut aussi un site. Donc là, je suis sur www.jeuxvideo-live.com. Donc il y a ce site-là, que je mettrai dans la description. Et je crois aussi qu'il y a un autre thème, mais je sais plus c'est quoi le nom, parce que là en fait j'étais en train de mettre des thèmes sur ma console, sur ma PS3, parce que je n'en avais pas vu que j'ai racheté une PS3. Et aussi il y a ps3thème.com. Donc comment faire pour mettre des thèmes sur votre PS3? C'est très simple. Donc déjà, il faut que vous créez un dossier dans un dossier sur votre clé USB, un dossier qui s'appellera PS3. Puis dans le dossier PS3, vous devez créer un dossier qui s'appelle thème. Et tout ça en majuscule. PS3 en majuscule et thème en majuscule. Après, tous les thèmes que vous irez chercher, vous les téléchargerez et vous les mettrez dans le dossier thème. Dans le dossier thème, tout simplement. À l'intérieur du dossier PS3. En majuscule, sinon ça passe pas. Et la clé USB, on s'en fout de la. C'est une 4, 8, 32 Go, on s'en bat les couilles. Moi perso, j'ai une 32 Go. Et ça passe. Il faut pas la formater. Donc je vais tout de suite vous montrer comment faire. Donc on va dire que là, je suis en train de regarder des thèmes. Et donc là, il n'y a pas beaucoup de thèmes qui m'intéressent. Donc on va aller sur OS parce qu'il y a plusieurs catégories de thèmes. Donc on va aller sur, ben là on est sur OS, catégorie OS. Et excusez-moi. Et vous pouvez voir qu'il y a quand même pas mal de thèmes là. Donc là ça bug un peu, enfin ça bug un peu, mon PC rame un peu, parce que je suis en train de rec en même temps. Mais vous pouvez voir qu'il y a quand même pas mal de thèmes. Donc ce que vous pouvez faire, bah déjà, déjà, si un thème vous intéresse, qu'est-ce que vous faites? Vous allez, on va dire, moi je vais prendre celui-là, Wave Vita Violet, donc c'est un thème de PS Vita. Donc vous allez dessus, vous cliquez dessus tout simplement. Et puis tout simplement, là vous avez votre thème en prévisualisation, excusez-moi. Thème dynamique PS Vita comme je le disais. Et en dessous vous avez les instructions d'installation. Donc je vais tout de suite vous montrer, c'est ce que je vous ai dit de toute façon. Donc voilà, les instructions pour installer ce thème sur votre PS3. Donc faut que vous créez un dossier PS3 en majuscule. À la racine de votre support amovible, hein, ça c'est clé USB. Ouvrez ce dossier PS3 et créez un dossier thème à l'intérieur, toujours en majuscule. Enregistrez le fichier .p3t, donc le fichier thème, dans ce dossier. Après vous connectez votre clé USB à votre PS3, vous allez dans paramètres, paramètres thème et vous faites installer. Puis après vous avez votre thème. Donc voilà. Donc moi ce que je vais faire, je vais prendre celui-là, donc télécharger. Vous pouvez voir que ça télécharge vite, hein, vous avez vu, il prend 2,2 Mo le thème là. Après, vous faites afficher dans le dossier, il se trouve là, et vous faites, vous l'envoyez directement, disque amovible, PS3 et thème. Puis après, ça envoie le dossier, enfin le thème dans le dossier, tout simplement. Donc voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un commentaire pour me dire si ça vous a aidé, à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et pourquoi pas à liker. Allez, salut à tous, c'était Kirkman SP.